voulez-vous? J'ai été surpris sur la route de Bar-le-Duc, jeune homme. On m'a dit que le baron de Tavernay se ferait une joie de m'offrir l'hospitalité. Quel mauvais plaisant vous en raconter une chose pareille. Le baron de Tavernay, il sera un gentilhomme à sa porte à Londres. Conduisez-moi. Vous perdez votre temps. Allez plutôt à l'auberge de Pierrefitte. Non, je dormirai ici. Conduisez-moi. Quel est votre nom, jeune homme? Gilbert. Je ne suis pas un domestique. Je suis le frère de lait de Mademoiselle André. Continuez. Allons. Je ne prends pas ça sur moi. Moi ? Tu es fou de frapper si fort ! Oui. C'est bien ici que je veux entrer. On m'a dit que le vin était bon et les lits moelleux. Nicole ! Nicole ! Sacrebleu. Monsieur jure devant les dames? Annonce à monsieur qu'un étranger... Quel étranger? Quand on se présente chez moi sans toi, cette heure-ci, on se nomme. Charmante Nicole, voulez-vous dire à votre maître que le baron Joseph Balsamo lui demande l'hospitalité pour la nuit? C'est à moi d'annoncer, s'il vous plaît. Le baron Joseph Balsamo, monsieur. Entrez donc, baron, puisque vous êtes là. Il est très bien, ce baron Balsamo. Il est de ses yeux. Puis-je savoir qui a eu l'esprit de vous ouvrir la grille du parc? Un brave jeune homme nommé Gilbert. Ah, Gilbert, le fainéant! Le philosophe Gilbert! Ah, je peux dire qu'il m'aura joué tous les tours, celui-là. Labri! Monsieur? Vous mettrez un troisième couvert pour le baron. Et tâchez de vous servir comme si vous étiez sans valet de pied à vous tout seul. Bien sûr, monsieur. Alexandre, voyez-vous? Cet imbécile est resté 20 ans à mon service sans que je lui donne un sou. 20 ans à Tavernay. Avec moi. Et gratis. Vous imaginez ça? Admirez ces murs lépreux, ces tapisseries crasseuses, ce souper insipide. Monsieur, si je vous gêne vraiment comme je commence à le croire... Me gêner, moi? Dans une seconde. Pensez-vous qui serait gêné? Pour ça, oui. Oh, vous auriez connu ce château jadis. De jour et par beau temps, je ne dis pas. Mais aujourd'hui, admirez la décrépitude. Mais asseyez-vous donc. Votre regard s'attarde sur mon sablier. Ne vous faites pas d'illusions, allez. Tout le reste du service est allé à Bar-le-Duc. Chez l'orfèvre qui m'en a donné une misère. Non. Ce sablier est la seule chose de valeur que je conserve ici. Avec ma fille. Mademoiselle André. Vous connaissez son nom? Par son frère de lait. Ah! Encore Gilbert! Ce scélérat, ce vantard, ce bavard de Gilbert! Vous ressentez une certaine animosité envers ce garçon, me semble-t-il. Ah, monsieur, il est effroyable qu'on soit obligé de passer par les femmes du peuple pour élever nos enfants. Bon, sa mère était l'épouse d'un ancien métayer du château. Il a été élevé avec ma fille. Et savez-vous ce qu'il est devenu? Un athée, un libertin, lecteur de Voltaire, Diderot et Jean-Jacques Rousseau. Attendez, ne m'en parlez plus, vous me couperiez l'appétit.
Ah, André. Entre, mon enfant. N'aie pas peur. Mais je n'ai pas peur, mon père. Je te présente le baron Balsamo, qui nous fait l'exceptionnel honneur de souper avec nous et de dormir à Tavernet. Soyez le bienvenu, monsieur. Bienheureux, surtout, mademoiselle, d'avoir la chance de vous rencontrer. Eh, taisez-vous donc, baron. Elle sort du couvent. Elle prend tout ce qu'on lui dit pour argent comptant. Oh, notez bien que je ne redoute pas sa coquetterie, au contraire. Je m'applique à développer en elle cette vertu qui fait la fortune de la gent féminine, qui nous comble et nous darde. Lui apprenait-on cela aussi au couvent? Non, sûrement pas. Mais on aurait dit. Bon, voyez-vous, Tavernet est un nid de chauve-souris. Mais un jour, j'en ai la certitude. Ma colombe s'envolera vers ce soleil resplendissant qu'on appelle Versailles. Elle y connaîtra la cour. La cour que j'ai si bien connue jadis. Elle y entrera avec tous ses charmes et toutes les armes que je lui forge grâce à mon expérience et à mes souvenirs. Allez, à mes souvenirs. Et au vôtre, baron, si vous en avez. Oui, quelques-uns. Et aussi une certaine expérience. Mademoiselle, je vais vous le dire tout simplement. Vous êtes un ange. Ah, mais quelle catastrophe m'annoncez-vous là? Que voulez-vous qu'un ange aille faire à Versailles? Voilà. J'espère que monsieur le baron n'est pas trop sensible à l'odeur de moisi et qu'il n'aura ni trop froid ni trop chaud. Ce sera parfait. Merci. Oh, monsieur est trop bon. Mais monsieur se trompe. Il n'y a pas là 24 sous, mais 24 livres. Un honnête homme en 1770. Tiens, Diogène, pour l'amour de l'humanité. Thank you.
craignez rien. Mon père dort et il a un très bon sommeil. Vous aimez votre père? Oui. Mais je lui en veux d'avoir dilapidé toute la fortune de ma mère. Aujourd'hui, Maison Rouge est pauvre, ne peut plus porter dignement notre nom. Qui est Maison Rouge? Mon frère, Philippe. Il est chevalier de Maison Rouge jusqu'à la mort de notre père. Alors il deviendra baron de Tavernay. C'est ainsi depuis toujours dans notre famille. Où est Maison Rouge alors qu'il est? En garnison, à Strasbourg. Mais non, il n'y est plus. Il est sur la route, à cheval. Il galope à la portière d'un carrosse magnifique, entouré de flambeaux portés par des officiers. Qu'y a-t-il donc dans ce carrosse? Une princesse. Gracieuse. Majestueuse. Belle. Dieu, c'est étrange. Quoi? Cette princesse ressemble à ma chambrière Nicole. Que fait la princesse? Elle se penche à la portière du carrosse. Elle parle à mon frère. Elle lui dit qu'elle veut s'arrêter quelque part, demain dans la journée. Où veut-elle s'arrêter? Elle ne peut pas voir que mon frère rougit de honte. Pourquoi? Où veut-elle s'arrêter? Ici! À Tavernay. Mon Dieu, comment pourrons-nous accueillir une si grande princesse dans une si pauvre demeure? Je ferai le nécessaire. Te voilà une bien petite mine, ma fille. Aurais-tu mal dormi? Au contraire, mon père. Et j'ai dormi d'un sommeil profond comme un abîme. Mais mangez donc, baron. Il n'y a rien d'autre, je vous avertis. Ah si, mon père, il y a autre chose. Nicole va nous apporter un toffee dont je lui ai appris moi-même la recette. Votre femme de chambre fait la cuisine? Et c'est vous qui lui apprenez les recettes? Mais la Pompadour faisait-elle la cuisine au roi? Tu dis que je veux voir seulement cuisiner. Il faut bien qu'on mange, mon père. Nicole? Voilà, mademoiselle. Bon appétit, monsieur. J'ai l'appétit coupé. Monsieur, je vous en prie. Merci, charmante Nicole. Je vous préviens, nous n'avons plus que 17 assiettes. Bon. J'ai bien vu que celle-là était fêlée. Croyez-vous que cette Mijaurée sort du couvent comme ma fille et qu'elle a presque reçu de l'éducation? Elle ne quitte jamais sa maîtresse. Un dévouement à se faire pâmer tous les philosophes qui prétendent que ces espèces-là ont une âme. Nicole ne me quitte jamais parce que je lui en donne l'ordre. Vous ne croyez pas à la philosophie? Oh, mon cher, je crois en Dieu et au roi. Et tout est dit. C'est beaucoup plus simple que la philosophie.
Voyez mon ami Richelieu. Il n'a jamais lu une ligne de Diderot ou de Voltaire. Il a 10 ans de plus que moi et il est fringant comme un jeune poulain. Vous parlez du maréchal de Richelieu? Évidemment, pas du cardinal. Quand même pas aussi vieux, non? Il était son aide de camp. Notre amitié date du siège de Philippsbourg. J'y étais, moi aussi. Il y a 30 ans de cela. Quel âge avez-vous donc? Aucun. Ah, mais êtes-vous certain de ne pas confondre Philippsbourg avec une autre ville? Tout à fait certain, oui. C'est à Philippsbourg que le duc de Richelieu a tué en duel le prince de Lixen. Je passais par là au moment où le prince de Deux-Ponts tenait le prince de Lixen mourant dans ses bras, tandis que le futur maréchal essuyait tranquillement son épée. C'est la vérité. J'étais comme témoin de Richelieu. Attendez. N'étiez-vous pas alors capitaine? Au régiment des chevaux légers de la reine. Oui, je me souviens parfaitement, vous teniez votre cheval et celui de monsieur de Richelieu. Vous n'étiez encore que le chevalier de Maison Rouge. On vous appelait même le petit chevalier. Mais vous avez au moins 50 ans pour m'avoir vu à Philippsbourg. J'ai l'âge qu'il faut, mon cher hôte. Vous m'apprenez pour un menteur, mademoiselle André. Non, monsieur. Je vous crois. J'avais 41 ans à Philippsbourg. Ce qui ne veut pas dire que j'étais l'homme que je suis. Et là, ça devient du paganisme. C'est à Philippsbourg que le pauvre des barreaux a eu la tête emportée par un boulet. Vous veniez tout juste de lui présenter votre tabatière, sur laquelle il y avait le portrait d'une femme blonde. Vous vous souvenez des barreaux? Bien entendu. C'était moi. Vous allez recevoir tout à l'heure une visite à laquelle vous devriez vous préparer au plus vite. Vous avez donné rendez-vous à quelqu'un chez moi? La personne s'est invitée d'elle-même. Votre fils la précède. Philippe? Ah, il est à Strasbourg. Le temps presse, baron, mademoiselle. N'oubliez pas d'éloigner Nicole. Elle a dans le visage tous les traits de la personne qui vient ici, ce qui pourrait fort bien contrarier celle-ci. Vous moquez de moi? Venez. Vraiment toi? Ben oui, c'est moi. Vous en doutiez donc? Mais par quel fichu hasard est-ce bien toi? Parce qu'un grand honneur est réservé à notre maison. Dans une heure, Marie-Antoinette Joseph, archiduchesse d'Autriche et dauphine de France, sera à Tavernet. Compliment. Et mes excuses. Je vous laisse avec votre fils. Je vais avoir 1000 choses à vous dire. Qui est cet homme? Ou à dire vrai, je ne sais plus. Mon frère chéri! Mon frère chéri! Mais ma parole, on dirait qu'elle est heureuse de ce qui nous arrive. Mais enfin, qu'y a-t-il, mon père? Oh, presque rien, ma petite fille, presque rien. Seulement l'archiduchesse d'Autriche. La dauphine? Mon Dieu, c'était donc elle. Tu connais la dauphine? Non. C'est une image absurde qui m'a traversé l'esprit. Oh, bah, rien d'étonnant. Nous nageons. Nous baignons dans l'absurdité. Mais explique-toi à la fin. Par quel hasard catastrophique sommes-nous condamnés à recevoir la dauphine? Comme vous l'aurez fait, mon père.
Vous ne parlerez plus de catastrophe. J'attends. Elle a fait son entrée en France à Strasbourg. Personne ne savait l'heure de son arrivée. Mon major m'a envoyé en reconnaissance. Je suis donc arrivé le premier devant le cortège. Et là, j'ai vu une jeune femme passer la tête à la portière du carrosse. C'était la Dauphine. Désastre et désolation. Et comment est-elle? Jeune et belle. Comme un ange. Comme toi. Oui, oui, bon, bon, la suite de la tragédie. Son Altesse Royale m'a fait demander mon nom et sa gouvernante l'a inscrit sur ses tablettes. Ah. Après quoi? Elle m'a demandé si j'aurais quelques répugnances à la suivre à Paris. Eh ben, elle a pas froid aux yeux. Plaît-il? Non, rien, rien. Allez, va au bout, sacre bleu, non? Elle avait fait un vœu quand elle était encore à Vienne. Elle attacherait à son service le premier gentilhomme français qu'elle rencontrerait en posant le pied sur la terre de France. Elle ferait son bonheur et celui de sa famille. Désolation. Miséricorde. Marcette est un excellent vœu. Mais que diable! Pourquoi a-t-elle eu cette lubie de venir nous déterrer dans notre misère? Parce qu'elle a appris que nous habitions presque sur sa route, mais je lui ai dit que nous étions très pauvres. Il fallait lui dire que nous étions morts! Imbécile! Elle m'a répondu qu'il lui suffirait d'une tasse de lait et qu'ainsi, pour un moment, elle oublierait son rang et les circonstances. Un caprice! Ha ha! Eh ben! La France va encore être bien gouvernée avec une reine qui fait des caprices. Mon père, il serait grand temps de faire vos préparatifs. Oui, elle sera là dans moins d'une heure. Plus nous nous préparerons et plus nous serons ridicules. Les journalistes consigneront dans leur sale gazette la visite de la future reine dans le taudis des Tavernais. Non! Tout plutôt que cette calamité. J'ai l'honneur des Tavernais. Le comte de Médina a brûlé son palais pour embrasser une reine. Moi, je vais brûler cette picote pour éviter la visite d'une dauphine. Qu'elle vienne! Ah, le spectacle sera de toute beauté. Où allez-vous, mon cher hôte? Aïe! Baron, corrigez-vous, passez votre meilleur habit. Le Tavernais que j'ai connu à Philippsbourg portait la Grand Croix de Saint-Louis. Ne l'oubliez pas. La Grand Croix de Saint-Louis. Elle n'est pas assez large pour cacher ma misère. La Dauphine ne verra rien, je vous assure. Soyez hospitalier. Cette jeune femme a beaucoup d'ennemis déjà. Que deviendra-t-elle si ses amis brûlent leur maison pour ne pas l'accueillir? N'anticipons pas sur les incendies à venir. Chaque chose en son temps. Chaque malheur à son tour. Que venez-vous faire ici? Et toi? D'habitude, c'est plutôt la chambre de mademoiselle qui t'intéresse. Hein? Ne touchez à rien! Cet étranger a confiance en nous, il serait indigne de le voler. D'ailleurs, il nous en apercevrait tout de suite et nous aurions les pires ennuis.
C'est peut-être lui que le baron mettrait dehors. Peut-être même un coup de fusil. S'il apprenait que mademoiselle a passé une partie de la nuit dans cette chambre. Vous l'avez vu? Je vois tout. Toi aussi, je t'ai vu. Il y a de certains moments où j'ai peur de vous. Si tu venais quelquefois dans ma chambre à moi, je te garantis que je te ferais plus peur. Puisque tu es philosophe, tu peux bien aimer deux femmes à la fois. Mademoiselle Nicole, je veux être un savant et un philosophe. La science ordonne l'isolement de l'esprit, la philosophie, l'isolement du corps. Laissez-moi donc, s'il vous plaît. Monsieur Gilbert, vous êtes un misérable. Un savant crotté. Un philosophe en guenille, voilà le meilleur de ce qui vous attend. Moi, je deviendrai riche. Et vous entendrez parler de moi. Et alors, vous regretterez de m'avoir méprisé. Charmant, quelle gentille maisonnette. Qu'on doit être heureux ici, chevalier. L'air qu'on y respire est délicieux. Et ces beaux arbres vous cachent si bien. Si votre Altesse royale le permet, j'aurai l'honneur de lui présenter le baron de Tavernay Maison Rouge, mon père, et mademoiselle André de Tavernay, ma sœur. Où allez-vous, charmante Nicole? Mais, pas la dauphine, monsieur. C'est pas si souvent. J'ai dit que vous ne deviez point paraître devant son Altesse. Vous l'avez peut-être dit, mais on ne me l'a pas répété. Par conséquent... Par conséquent, entrez dans cette chambre. Je n'en sortez pas tant que je ne serai pas venu vous chercher. Mais vous n'êtes pas mon maître à la fin! Vous vous trompez, Nicole. Le seul maître de Tavernay, pour quelque temps, c'est moi. Entrez dans cette chambre et qu'on ne vous entende pas.
Madame, votre Altesse royale fait trop d'honneur à cette humble demeure. L'impératrice Marie-Thérèse, ma mère, m'avait prévenu, monsieur. En France, m'a-t-elle dit, les hommes les plus riches de gloire sont souvent les plus pauvres d'argent. Mes amis, je ne veux pas vous faire supporter la fatigue de mes fantaisies. Vous m'attendrez dehors en faisant ce qu'il vous plaira. Oh, kommen Sie mit, meine beste Langeshausen. Suivez-moi, monsieur de Rohr. Je crains que votre Altesse ne soit un peu déçue par notre accueil. Oh, je le dis à votre frère, mademoiselle. Je ne demande qu'une tasse de lait et un œuf bien frais. À Schönbrunn, c'est mon festin favori. J'étais née pour faire une brave paysanne et voyez quel métier on a choisi pour moi. Ah, votre sœur est charmante. Maison rouge. Ainsi, vous êtes un tavernaire de Maison rouge. Dois-je répondre, monsieur ou monseigneur ? Mon prince, tout simplement. Ou votre éminence. Et cette maison, c'est votre séjour d'été ? Oui, mais je m'y plais tellement que j'en ai fait aussi mon séjour d'hiver. Son Altesse royale est servie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, Yonan ? Toi, tu te mets cette ivrée. Oh, mais c'est merveilleux. Oh, non. Allons, monsieur, je vois bien à présent que vous m'attendiez. Mais madame... Et vous, mademoiselle, et votre frère, vous saviez que j'aimais les surprises. Je vous en remercie. Vous aviez envoyé un courrier à votre père? Mais non, madame, je vous assure. Allons donc, je suis ici depuis à peine 10 minutes. On ne prépare pas une collation pareille en 10 minutes. Mais mon fils avait précédé votre Altesse d'un quart d'heure, madame. 25 minutes en tout. Avouez la vérité, mademoiselle. Votre marraine est une fée qui agence des festins royaux d'un coup de baguette magique, comme dans les contes de Monsieur Perrault. Madame, ce n'est pas une fée qui vous offre cette collation. C'est un enchanteur, une sorte de nouveau Merlin qui nous est arrivé inopinément et à qui nous devons de recevoir votre Altesse comme il se doit. Ah, c'est l'œuvre de la magie. Nous ne devons toucher à rien, monsieur de Rohr, est trop pressé. Und Sie, meine Freundin, hüten Sie sich davor, diesen Wein zu kosten. En effet, madame la Dauphine a raison. Mesdames, je puis vous rassurer, la colère céleste épargnera ceux qui meurent de faim, ainsi que les braves sorciers qui nous nourrissent de si bonnes choses. Mais votre éminence ignore à qui elle a affaire. L'auteur de ces agréables facéties est un véritable sorcier. Il m'a prédit l'arrivée de votre Altesse au petit déjeuner. Ai-je votre parole ? Foi de gentilhomme. Ainsi, ce n'est pas une plaisanterie ? Vous voulez dire que vous avez effectivement un authentique sorcier chez vous? Oh, à mon corps défendant, je vous assure. Il est arrivé hier soir à Tavernet, et comme l'hospitalité a toujours été pour nous un devoir sacré... Mais il faut absolument nous le montrer. Où le cachez-vous? Dans un flacon, dans une boîte, sous une armoire? Je veux le voir. Je suis à vos ordres, madame. Allez chercher le baron Balsamo. Balsamo? Quel nom singulier. Balsamo. Joseph Balsamo? Oui, votre éminence. C'est bien son nom. Monsieur le baron Joseph Balsamo. Approchez, monsieur. Je veux voir comment t'es fait un sorcier. On m'assure que votre spécialité est la prédiction. Il m'arrive d'en faire, madame. Mais ce n'est pas ma spécialité. Vous prétendez donc connaître des mystères étrangers à la religion catholique?
Monsieur le cardinal de Rohan peut témoigner qu'il y en a d'autres, en effet, et qui méritent le respect. Demeurez mystérieux, s'il vous plaît, mais soyez un peu moins énigmatique. Permettez-moi, cependant, de le rester, madame, en matière de prédiction, plus qu'ailleurs. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ah, je crois comprendre que monsieur le sorcier veut piquer ma curiosité. Et si je vous demandais de me dire la bonne aventure? Je serais au désespoir et j'aurais la douleur, madame, de refuser. Il serait plus honnête d'avouer que vous êtes incapable de me la dire. Trop capable, au contraire, madame. On m'a cité l'un de vos pareils qui montrait l'avenir dans une carafe d'eau pure. Est-ce aussi l'un de vos tours habituels? Oui. Mais j'en connais beaucoup d'autres. Montrez-moi celui-là, s'il vous plaît. Je supplie votre Altesse de ne pas m'y obliger. L'avenir ne peut être entièrement radieux et je ne me pardonnerai pas de vous attrister. Assez de feintes, monsieur. Votre science n'est qu'une plaisanterie. Voulez-vous une preuve du contraire? Ah! Enfin! Silence, mes amis, écoutons l'oracle. Il y a 5 ans... vous êtes entré dans le cabinet particulier de votre mère, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Sur le bureau, il y avait une lettre. Vous avez lu cette lettre. La colère vous a pris, vous avez rayé les 3 premiers mots. Quels étaient ces mots? Ma chère amie, vous jugiez que votre mère ne devait pas donner le titre d'amie à une femme qu'elle méprisait. Et qui était cette femme? La marquise de Pompadour. Maîtresse du roi de France. Tout cela est vrai. Oh, ouais. Mais laissons le passé, s'il vous plaît. Je veux que vous me parliez de l'avenir. Je suis prêt à vous le faire connaître, madame, puisque votre aveuglement l'exige. Alors parlez. À vous seul. Laissez-nous. C'est un moyen que vous avez trouvé pour obtenir une audience particulière, n'est-ce pas? Ne cherchez pas à me piquer, madame. Je ne suis que l'instrument dont Dieu se sert pour vous éclairer. Vous pouvez insulter la fortune. Moi, je ne traduis que ses caprices. Ne me faites donc pas payer les malheurs dont je suis le messager. Il paraît donc que ce sont des malheurs. De très grands malheurs. À qui attendront-ils? Ma mère? Mon frère? Ma sœur? Vous. Et votre nouvelle famille. Les 3 princes qui vous attendent à Versailles régneront tous les 3. Vous voulez dire que je n'aurai pas de fils? Vous aurez 2 fils. Vous regretterez que l'un soit mort et que l'autre soit vivant. Et mon époux, m'aimera-t-il? Trop. Aurais-je l'amour et l'appui du peuple? Le peuple, c'est comme l'océan, madame. Il y a le calme et il y a la tempête. Si la tempête s'élève, je m'élèverai avec elle. Plus haute est la vague, plus l'abîme qu'elle découvre est profond. Alors il me restera Dieu. À moins qu'il ne vous ait déjà condamné. Que me dites-vous? Avez-vous remarqué la tapisserie dans la première chambre où vous avez couché en terre française, à Strasbourg? Oui. C'est une attention que j'ai due à ce Benet de Rohan. Le massacre des innocents. Charmante image, avouez, pour accueillir la future reine de France.
C'est un mauvais présage. On ne peut l'interpréter autrement. Et ces trois princes qui m'attendent à Versailles, comment mourront-ils? Le duc de Berry, votre époux, mourra sans tête. Seigneur. Son frère, le comte de Provence, s'appellera Louis XVIII et mourra sans jambes. Son second frère, le comte d'Artois, s'appellera Charles X et mourra sans cou. Et moi? Et je n'ai plus rien à dire. Je veux que vous parliez. Non. Oubliez-vous que je suis la fille de Marie-Thérèse et que je tiens dans ma main la vie de 30 millions d'hommes. Ce sera l'erreur qui vous mènera à votre perte, car vous ne voudrez jamais le reconnaître. Vous croirez jusqu'au bout tenir leur vie entre vos mains. Et dès aujourd'hui, ce sont eux qui tiennent la vôtre. Prouvez-le-moi! Vous allez être obéie, madame. Mettez-vous donc à genoux. Priez Dieu, madame. Priez Dieu qu'il vous épargne ceci. Voilà l'objet que votre Altesse a réclamé. Il était ainsi quand vous m'avez trouvé? Mais oui. Jurez-moi que vous n'avez pas changé ce qu'elle contient. Mais je vous le jure. Alors, c'était un mauvais rêve. Et Balsamo? Il a disparu, madame. Disparu? Êtes-vous sûr que cet homme existe vraiment, chevalier? Je ne mettrai pas ma tête à couper. Sentez-vous plus mal, madame? Non, non. Dans un instant, vous m'aiderez à me lever. Je reprendrai la route de Paris. D'ici là, allez chercher votre père, chevalier. Je veux lui parler. Bien, madame. Comment vous appelez-vous? André? Ah oui. Entendez-vous l'allemand, André? Une religieuse de mon couvent a Nancy parlé les langues. Elle m'a appris l'anglais et l'allemand. Ah, c'est bien. Cela s'accorde avec mes projets. Votre Altesse royale m'a fait l'honneur de me demander. Approchez, baron. Monsieur, pour accomplir le vœu que j'ai fait à Vienne, je dois assurer la fortune de votre fils. Mais je ne veux pas m'arrêter là. Je prends votre fille Andrée au nombre de mes demoiselles d'honneur. Oh, madame! Votre Altesse, une si haute fortune. Elle vous a bien dû. Le frère servira le roi aux armées et la sœur la dauphine à Versailles. Tu entends? À Versailles! Vous accompagnerez mademoiselle à Paris. C'est de pas précipiter ne vous cause pas trop de peine. Votre Altesse, notre vie vous appartient comme celle de vos 30 millions de sujets. Allez faire vos préparatifs.
Wir gehen in einer halben Stunde, mein bester langes Hasen. Monsieur de Beausire. Madame. Vous accompagnerez Monsieur de Tavernet et sa fille. Veillez à ce qu'ils nous rejoignent très bientôt. Oui, madame. Mais bien sûr, monsieur. Viens, ma fille, chérie, viens. Tavernet ? Je pense bien que je le sais. Il y a là-dedans tous les papiers du baron et tous ses mauvais livres. Même les livres de philosophie. Savez-vous que je pars pour Paris avec mademoiselle ? Si ça vous plaît, je vous en félicite. Une seule circonstance pourrait me retenir dans cette maison. Un mariage à ma convenance. Gilbert, j'ai 25 louis d'économie. Monsieur le baron va redevenir riche. On va réparer Tavernet, on va l'embellir. Il faudra ici des gardiens. Vraiment ? Nicole Leguay, est-ce que vous m'offrez 25 louis pour vous épouser et devenir concierge de Tavernet ? Oui. Vous acceptez ? Vous avez vraiment du mépris pour moi, mademoiselle. Du mépris ? Mais je vous aime ! Allez à Paris, je vous prie. Vous y réussirez à merveille. Laissez-moi passer ! Vous êtes un mauvais cœur. Et un mauvais esprit. Oui, je vais à Paris. Et un jour, vous rougirez de me voir là où m'aura conduite votre méchanceté d'aujourd'hui. Nicole, oui, toujours. Adieu, Gilbert. Me voici, mademoiselle. Je suis prête, mon père. Alors partons. Mais qui gardera le château ? Hey, mais le philosophe Gilbert, ce fracas. Il a son fusil. Hein ? Les grives et les mères ne manquent pas à Tavernet. Il fera bonne chère. Et vous le laissez donc sans argent ? Sans argent, mais tu veux rire ? Il faut pas le corrompre, il est assez vicieux comme ça. Alors, s'il hurle un peu trop à la mort, je lui enverrai quelque chose de Paris. Ah, monsieur le raisonneur, vous allez rester ici, seul. Comme il convient à un vrai philosophe. Sans rien faire. Ni personne pour vous taquiner. Prenez bien soin du chien. Et surtout, ne laissez pas le feu brûler pendant votre sommeil. Hmm? Allez, adieu. Adieu, monsieur. Adieu, mademoiselle. Adieu, Gilbert.
T'es libre, toi aussi. Cherche ta vie comme tu voudras. Bonjour, jeune homme. M'approchez donc sans crainte. Que puis-je pour vous? Je vois que vous jetez du pain aux oiseaux, monsieur. Cependant, il est écrit que Dieu pourvoit leur nourriture. Et c'est la pure vérité, il y pourvoit par ma main. J'accomplis mon devoir de fils de Dieu, qui est de nourrir les oiseaux dans les champs. Et les pauvres dans les rues. Je connais un pauvre qui disputerait bien quelques miettes à ces oiseaux. Vous avez faim? Je n'ai rien mangé depuis 24 heures. Mais venez, asseyez-vous. Prenez. Prenez. Oh, merci, monsieur. Gobez aussi les cerises. Bon, moi, j'ai terminé. C'est curieux, je viens souvent dans les bois de Meudon et... Je ne vous y ai jamais vu. Je suis un provincial, monsieur. J'ai traversé la moitié de la France pour venir à Versailles. Oh, mais quelle idée! Paris vaut bien un si long voyage, mais Versailles, oh, poids! À moins que vous ne cherchiez un maître. Je ne cherche aucun maître et je n'en chercherai jamais. Oh, oh. Mais... Chaque homme obéit à quelqu'un ou à quelque chose. Vous avez bien des principes. Pour ça, oui. Je pense que tous les hommes sont frères. Et que chaque individu a sa valeur. Et que ma valeur à moi mérite autant de respect que celle des autres. Ah, je vois. Vous avez lu des livres. J'ai lu le discours sur l'inégalité des conditions et le contrat social. Tout ce que je sais, c'est Jean-Jacques Rousseau qui me l'a appris. Ah ah! Et à quoi comptez-vous utiliser cette belle énergie? J'aurais voulu étudier la médecine. Hélas, cela coûte très cher. Ah, plus maintenant! Le roi Louis XV vient de faire une des rares bonnes actions de sa vie. Il a créé à Paris une école de chirurgie gratuite. En vérité? Et un malheureux comme moi pourrait aller à cette école? Et pourquoi pas? Il vous suffira de gagner quelques sous pour... Payez votre logis ou votre subsistance. Paris est une grande ville où les petits travaux ne manquent pas. Je suis robuste, monsieur. Je suis capable de remuer des pavés ou de porter de l'eau comme un Auvergnat. Vous avez autant de courage que d'ambition.
Vous plairiez beaucoup à Jean-Jacques Rousseau s'il avait la chance de vous connaître. Est-ce vrai ce qu'on dit? Qu'il a tout appris par lui-même et sans rien payer? Ah, ok. On n'apprend rien pour rien, mon ami. Et le prix que Rousseau a dû payer, pour le peu qu'il sait, s'appelle l'innocence, la santé, le sommeil. Le peu qu'il sait? Ben, il sait tout. Un peu de tout, en superficie. Monsieur, je ne peux pas laisser dire que l'auteur du contrat social est un homme superficiel. D'abord, je vous concède que sa superficie est un peu supérieure à celle du commun des mortels. Mais il n'y a pas là de quoi s'extasier. Voulez-vous venir avec moi à Paris? Je vous trouverai de quoi gagner votre vie et... Vous pourrez étudier autant qu'il vous plaira. Est-ce possible? Mais il faut d'abord compléter ma récolte d'aujourd'hui. Il me manque encore quelques mousses. J'ai vu des capillaires superbes tout près d'ici. Vous connaissez les plantes? Je suis né à la campagne. Là d'où je viens, j'étais un peu jardinier. Et j'ai aidé Mademoiselle André à composer son herbier. Il y a une Mademoiselle André? Je vais vous conduire à ces capillaires. La botanique est la mamelle de la médecine. Vous êtes sur la bonne voie. Oh! Oh! Un Anthurium felis! Une fougère féminine. Oh! Oh! Oh, vous me portez chance. Je la cherche depuis des semaines. Est-ce bien André de Tavernet que l'on voit à présent à Trianon et sur laquelle Louis XV jette des regards pleins de convoitise? Est-ce bien Gilbert qu'André rencontre quotidiennement dans les jardins? Si elle connaissait l'avenir promis par Balsamo, jeune jardinier philosophe, peut-être lui montrerait-elle moins de mépris. Mais peut-elle deviner quel odieux complot se trame contre elle sous l'autorité du maréchal de Richelieu, avec l'accord tacite du baron de Tavernet? Vous le saurez dans le prochain épisode de La Comtesse de Charny.